Dans le cadre de la célébration du 20 janvier 2021, l'Association des jeunes marabouts du Mali a organisé une journée spéciale dédiée à la lecture du Saint-Coran afin de rendre un vibrant hommage à tous nos soldats tombés sur le champ de l'honneur. C'est ainsi que la mosquée de Nafadji a abrité l'ouverture de la journée avec la lecture du Saint-Coran sous les auspices de plusieurs grandes personnalités religieuses du Mali. Le ministère a reçu une invitation de la part de l'Association des jeunes marabouts du Mali pour la commémoration de la fête anniversaire de notre armée. Donc aujourd'hui, les contextes sécuritaires et les sanitaires font que le pays a besoin de bénédictions, le pays a besoin de doigts pour sortir de cette situation afin que le pays puisse retrouver sa marche normale et devenir comme avant. Le message, il est le même de la part du ministre, c'est toujours la réconciliation, c'est toujours le pardon, le vivre ensemble et la quiétude par rapport au peuple malien. Au cours de cette journée, des prières profondes suivies des bénédictions ont été faites pour juguler cette pandémie de la maladie à coronavirus. À l'occasion du 20 janvier, réunis par la fête de l'armée nationale, l'association a voulu organiser cette lecture pour que les tout miséricordieux nous ramènent encore plus de paix, surtout la COVID-19. En plus d'accueillir l'âme de nos soldats tombés au champ d'honneur et de donner plus de force à nos combattants sur terre, car sans prière, nous ne voyons pas d'autre solution. À cet effet, l'association appelle les jeunes marabouts de venir s'ajouter à l'association des l'association de prier pour la paix et la réconciliation. Ce pays appartient à nous tous. Cette activité de l'Association des jeunes marabouts du Mali a été vivement appréciée à sa juste valeur, notamment par les responsables des leaders islamiques du pays ainsi que des élus locaux. Quant aux représentants des femmes, qui d'ailleurs n'ont pas du tout occulté de remercier et d'encourager les membres de l'association, ainsi que son président, M. Santara, pour cette belle initiative. Vivement la prochaine édition.